Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de l'Ombre de la Guerre. Alors, comme vous pouvez le voir, on a quand même recruté quelques personnes. On va essayer quand même de continuer un petit peu à récupérer ceux pour lesquels on a de l'intérêt, tout simplement. Hein. Ceux qui, par exemple, sont différents, comme ce brûleur qui est complètement épique, avec son gros lance-flamme, tout en faisant attention aux autres et aussi en commençant à ordonner à certains de nos alliés de, voyez comme là par exemple il nous faudrait des informations sur ce chef de guerre qui a apparemment déjà certains de nos alliés qui sont dessus, ça pourrait être intéressant et ainsi de suite. Voilà, alors on y va, on va aller récupérer le brûleur déjà pour commencer. 1400, est-ce qu'il n'y a pas un TP plus près? Si ça ne te dérange pas. Non, absolument génial. Alors bah écoute, il n'y a plus qu'à appeler un canasson. Canasson. Hop, allez, canasson, voilà. Hop, j'aurais aimé que tu grimpes directement dessus, mais malheureusement tu n'as pas voulu le faire. Hop, allez, mange! Mange, canasson, c'est bien, canasson. Continuons, canasson. Ces orques sont des travailleurs acharnés. Oui, ils font des briques pour construire des bâtiments. Canasson est coincé. Peut-être pour se fendre mutuellement le crâne. Bon! La canasson et mon personnage ne veulent rien faire. Ça y est. Eh ben il était temps. Je croyais qu'il y avait un... Ah non, il s'est enfui. Il y avait un mec avec un indice. Je voulais prendre le mec avec l'indice. Malheureusement. Donne-moi de la santé parce que j'ai pris un petit peu de dégâts. Merci. Je n'ai jamais entendu parler de ces balrogs. Rares sont ceux qui ont pu témoigner après. On a... Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, John. Hop, les... 3 heures de chute plus tard. Qu'il y a au-dessus? Est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps? Voilà, allez, grimpe. Hop les... Au revoir! Le lancer du marteau. Tu n'as rien vu, trop du cul! Oh, bonjour! Voilà, il n'y a plus personne déjà. Ah, ils m'ont vu! Ah bah, il est juste là en plus, si ça c'est pas génial! Il y avait une porte ici, tiens-nous. Vous m'avez perdu de vue, je vais tous vous avoir eu. Ah, c'est pas le bon que je visais. Putain, mais. Honnêtement, si ça c'est pas dégueulasse. Raté, t'es trop mauvais. Putain, mais. Vise au moins la bonne personne, nom de Dieu. Hop. Aïe. Pourquoi tu l'as... Ah oui. Suis-je bête? Bonjour. Tu as fait une erreur. Ah bon? Une grave erreur. Ah bon? Pour les regrets, c'est trop tard. Oh mince, j'ai tellement pas de regrets si tu savais. Par contre, j'aimerais trouver un petit peu de grog. Je crois que t'as besoin de boire un coup, mon pauvre. Hop là. Merci. Pourquoi pas, ça s'est fait en plein combat. Oh, qu'il est joli avec sa crête. Oh, je l'aime bien, le souffleur de cornes. J'adore. Ils ont du style. Ils ont du style. Ça, c'est des bonhommes. Bon, rejoins. Ah, tiens, regarde, je t'ai changé. J'ai entièrement déshabillé. Taillot.
T'as pas de problème avec le feu? Ah oui, c'est vrai, par contre ça j'avais oublié, excuse-moi. Les deux secondes étant encore un type... Voilà. Allez, viens voir papa. Viens voir papa. Ah, j'aurais dû t'emmener vers tes potes, attends. Voilà. Voilà, ça fait mal, hein, dis-moi tout. Apparemment pas encore assez. Ah putain, il était hébété il y a des secondes. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'aimes pas mes acrobaties? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait mal? Ah, attends deux secondes. Attends. Ah, erreur de ma part, excusez-moi. Aïe. Ils sont trop nombreux contre moi. Aïe, tant qu'il est enragé, je ne peux pas le faire. Il est plus enragé. Il est brisé. Et il est à moi, surtout. Recruté. Oui, je serai ton élu. Bien. Eh bien écoute, dans ce cas, si tu vas être mon élu, j'aimerais que tu te renseignes sur ce monsieur. Ma foi, c'est un monsieur très intéressant, mais surtout qui va bientôt faire partie de l'équipe. Même si il est niveau... Ouais, je suis connu, il doit être niveau 33, je suis niveau 29, c'est là le problème en fait. On n'a pas le niveau pour ces hommes. Aïe, je pensais pas, j'attendais qu'il m'attaque. Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter. Je ne dissociais plus bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Le pathétique. Bon bah, non. Alors t'as la tronche hein. Il aime trop jouer avec le feu, c'est bien. Ah. Ok. J'oublie pas. Aïe, ils sont balèzes hein. Pas aujourd'hui. Il est balèze. Et j'arrive pas à le geler, vous avez vu? Il est balèze. Ne lâchez pas. Je peux pas bouger. Merde, il est sur point m'attaquer. Tiens, bouffe. Ça par contre tu le sens ou pas? Eh, c'est pas encore ça hein. Ah, je suis débile. Hop. Ouais, pas de soucis. Tiens, bouffe. Voilà. Hop, attends une seconde, on va essayer autre chose. Autre technique. Bah. A fui de terreur, mais il est encore devant moi. Il est encore devant moi. Je suis désolé, il a pas encore fui de terreur. Ça ne saurait tarder, mais... Pas encore. Et il est à moi en plus, ce capitaine. Désolé. Oh, tiens, ma tête s'est décollée. Ma main s'est décollée, ta tête, pardon. Et plutôt sa tête, ce serait bien si sa tête s'était décollée. Suite était décollée. Suite était décollée. Oh, puis je suis vraiment 2 mètres au-dessus. Hein, mais ce n'est pas grave, j'apprécie
Le geste est présent, donc c'est tout ce qui compte. Il y a déjà quelqu'un dessus. Ah, tenez, ramène comment en fosse avant de créer un autre. Ok, il y a une fosse dans le coin, on va aller chercher la fosse. Voilà, allez. Tu sais quoi? Bon, retraite. T'es un type bien. Je serai aux aguets. T'es pathétique, mais t'es un type bien. Attendez, avant de dire que vous me voyez, parce qu'il faut que j'aille quelque part. Si cela ne vous dérange pas, je cherche... Voilà, ça doit être par ici. La fosse, elle est où? Attendez. Quête! Combat de fosse, c'est où? Ok, ils sont pas affichés. Génial! Merci! Truc de ouf, Godin. Fosse, si, fosse. Quoi? Ah bon? Parce que la fosse est clairement ici, mais apparemment... What? Bon bah on va aller voir l'armée. On va aller viser un des chefs, tant pis. Lui, parfait. Et on est juste à côté, que demander de plus? Ah, ou presque. On a 800 mètres. Ah, j'ai une aptitude. On va aller voir ce qu'on a. Alors, ça c'était pratique, même si je crois qu'il y a des choses en combat qu'on devrait peut-être réorienter. Prédateur, c'est pas intéressant. Spectre, ado de bête. Ouais, mais non, en combat, il n'y a pas grand-chose de plus, en fait, quand on y pense. Ça, c'est cool. Ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire parce qu'on peut voir à quel point on en chie pour les combats où ils sont trop nombreux. Merci. Ok. Oh. Ah, la queue le. Hop là. C'est ça qui est bon. On est bon en termes de temps. Pour ce quatrième épisode de cette session. Faudrait que j'arrive à faire une seule session, faudrait que j'arrive à faire 7 épisodes, ce serait cool. Ce serait très très cool. Hop, le radar est quand même assez pété. On va peut-être le mettre un peu plus loin sur la gauche. Hop, je sais pas si c'est possible. Un voleur dans la nuit. Attirez Strack, le souffleur de cornes, qui est super stylé. En tuant, c'est regardé sans déclencher l'alerte. Vendu. Montre à ce chef de guerre la futilité de son système en tuant ses orques. Avant qu'il sonne l'alarme. Futilité de son système. Bien sûr. On parle tous comme ça. Voilà. Bah, y'a personne. Bon bah... Vous avez vu là? Bon, on va le... Tant pis. J'ai longuement hésité, je sais. What? En m'humiliant, tu as détruit ma vie. Les autres rigolent. Nouveau titre obtenu, le rabaissé. Personne ne me prend au sérieux. Mon existence n'est rien d'autre qu'une vie misérable. Je te détruirai pour me venger. Ils viennent foutre en l'air ma mission, on est d'accord. Yeah.
Il vient de foutre en l'air ma mission, d'accord. Hop là, allez viens. En espérant que t'aies pas fait de merde. En espérant que t'aies pas fait merder ma mission. Va espionner le chef de guerre. J'ai fait quelque chose de mal ? Personne ici non plus. Hop là, non non, tu n'as rien vu, je te rassure. Ce n'était rien. Au suivant. Il y en a un là-bas, mais... Il était seul. Parfait. Crac. Apparemment, il est loin. Bon, bah pourquoi pas. C'est un peu la déception, là. Ah, attendez, il y en a un là. Oh, je l'avais pas vu celui-là par contre. Sans déclencher l'alerte, si je fais péter le truc, je pense que j'ai déclenché l'alerte. À ce moment précis. C'est bien ça qui m'embête. Tentons autre chose. Voilà. Et là, ça c'est bon. Ah ah. Oh, puis il arrive juste en dessous de nous. Ah, c'est des copains ça. Ça c'est des copains, je reconnais le bleu de leurs yeux. Pour le Seigneur. Ah oui. Ah oui. Frappe. Boum. Oui. Encore. Même pas au bout d'un mois. Hop les, tu es à moi. Ok, c'est bon. Rabaissez. Au revoir. Oh le pauvre. Tu n'es rien, mais tu as une superbe... Une superbe... Comment... crête. Merci. Crac. Ça, c'est... Saruman. Pourquoi il parle de Saruman? Vous avez vu comme moi l'annexe autour de Saruman. On est d'accord. Le voilà. Ah, oh, d'accord. En plus, ils ont pas pris le... D'accord, ils ont pris un... T'inquiète, t'inquiète. Mais arrêtez. Oh, oh, ils sont tous. Cool. Ils sont tous brisés. Excellent. Recrutés. Ils sont tous brisés. Énorme. Bah en retraite. Non, commandé, pardon, excuse-moi, je voulais plutôt le faire, l'envoyer quelque part. Là, j'ai déjà des gens dessus, c'est parfait. Confirmer la mission. Zougor la brute, parfait. Il y en a un autre. Allez. Allez. Allez! Ah merde! Allez! Allez!
Allez, putain, mais... Oh, mais non, mais le rat, mais tu te fous de ma gueule. Voilà. J'ai éclaté un rat, quoi. Le mec, il a ciblé un rat. Honnêtement. Allez, casse-toi. Non, mais honnêtement, le coup du rat, quoi. Je suis dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a une arène à l'intérieur, cool. Ah, bah il est pas loin en plus, Harisu. Cool. On va aller le chercher si ça dérange personne. Par contre, j'aimerais bien que mes copains rentrent chez eux. Bon bah cool. Je suis là, seigneur. Le voilà. What? Eh bah putain, t'es vraiment une sous-merde. Ça y est. Wouah. Je suis désolé hein, mais alors là franchement le coup du... Il va aller buter l'autre. Non, c'est bon. Wow. Vigilant face à la furtivité. D'accord, ok, pas de soucis. Je vais te tuer pour ce que t'as fait. Tous ceux qui m'humilient doivent payer. Si tu veux, oui, sur le... Sur... Tu vas souffrir. Si tu veux. Tu sais que tu t'es mis vraiment au pire endroit au monde. Attention. Voilà, hop. Raté. Non, t'es vraiment un gros sac à PV. C'est pas pour t'offenser que je veux le dire. Allez, je me suis fait un copain. Je t'arrête. Raté. Essaie d'esquiver. Ah, raté aussi. J'ai essayé de faire la vague de... Mais non, mais... On va faire ça. Yo. Raté. Raté. Ça peut-être ça le seul et unique défaut. Allez, D7. Oui, ça y est, on l'a. Wouh. Eh ben, on commence à en avoir dans cette région. Ça y est, ça nous aura mis un petit peu de temps, mais on commence à en avoir un paquet. Cool. Cool, 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 cool. On va t'envoyer quelque part. Y a pas de souci. On va t'envoyer. On peut pas t'envoyer infiltré parce que sans doute qu'il y a trop de combats de fosse en cours. Mais ce n'est pas grave. Bas en retraite, mon ami. Bas en retraite. On saura se retrouver tôt ou tard. Ok. Nous, on est censé aller là. Et on va finir sur un combat de fosse. On va voir ce qu'on peut faire en jouant un Pokémon. Hop. Voilà. Non, effectivement, mais c'était pas mon but, tu sais. Hop, voilà. Oh, regardez, un point de téléportation. Boum. Merci. Hop les... Infiltration, c'est parti. Douche de la main blanche. Il est stylé visuellement. Il est stylé visuellement. J'espère que ça va aller face à son pote. Oh, joli, joli couronne. Le fougueux. Bats-toi jusqu'au bout. Quoi? Je vais te réduire en bouillie. Bah vas-y, prouve-le. Oui. 35 versus 28. Ok, ça part très très mal. C'est le problème avec les enflammés, c'est que la plupart du temps... Vous voyez ce qui se passe? En plus, un Fusroda, si tu veux.
Aïe. Pourtant apparemment c'est notre pote qui a eu le dessus. Ok. Ah voilà, ça peut être le mouvement déterminant. Hein. Ça peut être le mouvement déterminant, vous voyez. Garo Tono. Oh oui. Vas-y. Vas-y, mais pourquoi tu t'arrêtes? Ouais, non, on va perdre. Il a repris le cycle de du j'enflamme mon ennemi. Ouais, voilà. C'est pas grave. Bon bah voilà, sur une défaite qu'on va se laisser les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!